en reprenant des parties. Et nous aurons 30 événements de diffusion entre juin et décembre 2021, à la fois avec le film, le jeu et les brochures, etc. Voilà, donc ça, ce sont nos livrables. Et puis le programme qu'on vous propose donc dans ce webinaire, si je... Oui, parce que comme j'ai pas la manette Bien à la sûr. main, c'est pas grave. C'était non, ça marche pas. Excusez-moi. Hein. Voilà. Et donc le programme qu'on vous propose, je vous redonne pas les dates. Hein, vous les connaissez. Vous vous êtes inscrits pour ceux qui désirent suivre les quatre. Mais le principe, c'est d'y aller progressivement et de vous faire visiter peut-être d'une manière un peu théorique au départ, ce qu'est la maturité coopérative et la coopération, mais à chaque fois de tenter de vous faire vivre des moments de manière à ce que vous puissiez un petit peu le toucher du doigt. Et à chaque session, on aura une introduction avec un lien avec les sessions précédentes, et puis on va avoir en alternance apport de concepts et de méthodes, mais exploration en sous-groupe, et vous allez voir que tout à l'heure, dans pas très longtemps, on va utiliser le moyen de vous mettre en sous-groupe jamais plus que 3 ou 4 personnes d'une manière aléatoire, de manière à ce que vous puissiez avoir des petits temps où vous ayez de l'expression également entre vous, des échanges tous ensemble, toujours une conclusion et un retour nourrissant. On vivra ça tout à l'heure, je ne vous en dis pas plus. Et donc maintenant, on rentre dans cette partie qui est apport et travail de ce jour, qui est de regarder les fondamentaux. Et dans le chat, je voyais la question, est-ce que le diaporama sera disponible, etc. Anne m'a rappelé en disant que la séquence était enregistrée, a lancé l'enregistrement, parce que sinon, elle ne le sera pas. Et on a l'habitude, effectivement, de publier sur notre site Internet tous les éléments qu'on met à disposition sous licence Creative Commons. Donc, le diaporama sera réutilisable. Voilà, ça c'était une petite introduction assez rapide pour pas passer trop de temps sur ces éléments-là et puis qu'on rentre assez vite dans un dialogue ensemble. Et quand on parle de coopération, on pourrait se demander si on parle de mode, parce que on a l'impression maintenant que si on n'a pas coopération et co-construction dans le titre ou dans la présentation de nos projets, on est vraiment ringard. Donc est-ce que c'est juste une question de mode? Est-ce que c'est juste une question de dispositif? Ça a été intéressant quand on a commencé à rencontrer des GAL, notamment. Eh bien, on se rendait compte que quand on parlait de coopération, on ne parlait pas toujours de la même chose, parce que eux, coopération, ça faisait référence à un dispositif, spécifiquement la mesure 19.3 du programme Leader, où il y a des programmes qui s'appellent des programmes de coopération territoriale. En fait, quand on parle, nous, de coopération, on parle de quelque chose de beaucoup plus large. Que ces dispositifs-là dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus large et qui pour nous représente une vraie transformation de nos manières de faire. Et avant d'aller plus loin dans la définition de la coopération qu'on regardera en fin de parcours, on voudrait déjà partager avec vous quelques raisons pour lesquelles nous pensons que cette orientation vers la coopération est quelque chose d'important et de profond. En fait, dans l'histoire du vivant, toutes les études sur les êtres vivants montrent que la coopération permet de renforcer les espèces. C'est vrai dans les espèces animales, hein, où le facteur de la capacité de reproduction, la capacité d'adaptation d'une espèce à son milieu dépend directement de la coopération et de la manière de vivre la coopération au sein des communautés de ces espèces-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on dit souvent que le monde, que la nature est un monde de compétition. Oui, bien sûr, mais il y a l'autre loi de la jungle. Vous connaissez le titre du bouquin de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. La coopération fait aussi partie de la stratégie d'évolution des espèces. Et dans l'histoire humaine, c'est particulièrement vrai. Tous les groupes coopérateurs, fortement coopérateurs, ont beaucoup mieux survécu aux crises, aux aléas, que les groupes faiblement coopérateur. Et la crise qu'on vit actuelle, la crise sanitaire du Covid, le montre aussi. Dans les années 50, les mathématiciens se sont posé la question de se dire est-ce que ça se démontre, ça, parce qu'on l'observe, mais est-ce que c'est bien vrai? Et ça a été la naissance dans les années 50 de la théorie des jeux,
Et si on regarde ce que, en faisant un gros résumé très rapide, la théorie des jeux, elle montre que le jeu coopératif, c'est-à-dire la manière d'échanger de manière coopérative, est un modèle gagnant à chaque fois. C'est-à-dire que c'est un modèle qui permet de renforcer les acteurs. Si nous coopérons ensemble, alors, par cette coopération, nous nous renforçons l'un et l'autre. Et que c'est un modèle d'autant plus gagnant que le nombre d'interactions que l'on a est élevé et qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Et gardez ça en mémoire parce que j'y reviendrai dans une seconde. Les économistes aussi ont montré que la coopération était un levier de développement, et pas seulement la compétition. Elinor Ostrom a été prix Nobel d'économie en 2009 sur son travail sur les communs, où elle montre que la meilleure manière de préserver des communs, c'est de les gérer de manière coopérative. Mais si on pense à des économistes comme Éloi Laurent, par exemple, Éloi Laurent montre dans tous ses travaux aujourd'hui que la compétition ruine beaucoup plus les économies que la coopération qui, au contraire, les fait fructifier. Donc, en matière économique, même si là, c'est une idée qui est malheureusement pas encore largement partagée, de plus en plus de travaux montrent que la coopération est un moyen de développer aussi nos économies. Et pour finir, si on regarde le mouvement, enfin, le sujet du développement territorial, depuis longtemps, il y a des géographes qui disent, je pense à Bernard Pecker par exemple, un territoire n'existe que par ses projets. En fait, c'est le projet qui fait le territoire. Mais on pourrait même dire que un territoire n'existe que par les femmes et les hommes de ce territoire qui font les projets qui font le territoire. Et en ce sens, un territoire n'existe réellement que par la capacité de ses acteurs à se mettre en communauté. Il y a de plus en plus de travaux autour du développement territorial qui redéfinissent même la notion de territoire en la définissant autour de la notion de communauté agissante, d'acteurs qui sont dans des projets de coopération pour faire vivre leur territoire. Donc la première idée clé qui nous semble importante prendre en compte, c'est que la coopération permet de renforcer les acteurs et leur capacité d'adaptation. La deuxième idée qui nous semble importante à travailler, c'est de se dire que, en fait, on a souvent l'habitude de dire que la coopération est une expression sociale de la complexité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule un peu abstraite peut-être, mais c'est tout simplement de se dire que quand on parle de territoire, on parle par définition de système complexe. Complexe au sens Edgar Morin du terme, c'est-à-dire où les choses sont tissées les unes aux autres. L'exemple qu'on prend très souvent, c'est l'exemple de la ressource en eau. La qualité et la quantité de ressources en eau disponibles, on pourrait se dire c'est un problème écologique, mais finalement, ce n'est pas un problème seulement écologique. Si l'eau de qualité est plus rare et plus difficilement accessible, c'est aussi un problème économique parce que le prix de l'eau va changer. Mais si c'est un problème économique, vous voyez bien que c'est directement un problème social, puisque la redistribution et l'accès à la ressource va devenir problématique. Et si c'est un problème social, ça devient aussi un problème démocratique parce qu'il va falloir arbitrer des conflits d'usage. Donc vous voyez bien qu'on part d'une question qui est une question d'accès à la ressource et très rapidement, on arrive à une question à la fois économique, sociale et démocratique. Donc tous ces sujets sont liés les uns aux autres et tous ceux d'entre vous, c'est-à-dire je vois qu'il y a des gens qui sont en attente, donc je les admets quand même. Par construction, l'économie, le développement territorial, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas agir sur un seul de ces leviers, mais tous ces leviers sont reliés les uns aux autres. Et on ne va pouvoir traiter le système et faire ce que de plus en plus de gens disent, il faut qu'on apprenne à penser système, à agir en systémique, etc. Ben oui, mais penser système, ça veut dire penser avec l'ensemble des acteurs du système et donc penser des systèmes de coopération et des modes de relation qui soient des modes de relation coopératives. Donc, en fait, il y a une deuxième bonne raison pour coopérer, c'est tout simplement qu'on n'a pas le choix. Si on veut apporter à nos territoires et au développement de nos territoires une approche effectivement systémique, alors il faut qu'on développe notre capacité, notre savoir-faire à mettre
autour de la table les acteurs qui participent à la vie du territoire pour le gérer ensemble. qui nous amène à amener une troisième raison qui nous semble vraiment essentielle, qui nous amène même à dire qu'on parle beaucoup de transition écologique, transition environnementale, etc., démocratique également. Et nous, on pose le fait que nous avons besoin également d'une transition anthropologique, parce que pour vivre la complexité, alors il faut pouvoir vivre l'interrelation d'une manière soutenue. Et on n'est pas seulement des êtres économiques, on est aussi des êtres d'empathie. Et c'est assez fondamental de repositionner, parce que depuis 3 siècles, finalement, on est dans l'idée qu'on a deux principes essentiels qui sont que l'homme poursuit ses intérêts égoïstes, finalement, et que la société, bah, c'est la somme des individus qui la composent. Aujourd'hui, on voit bien que toutes les portes s'ouvrent pour faire sauter ce verrou-là, et on voit même déjà que Demos en 1924, il posait que Homo sapiens était un animal social. Donc nous sommes des êtres de relation. Alors vous avez à l'écran tout un tas d'exemples sur lesquels je ne vais pas m'éterniser, et vous pourriez retrouver toutes ces références, et sans doute ce sont des titres que vous connaissez. Mais pour nous, il est essentiel de poser que l'homme est avant tout un être de relation et qu'effectivement, dans l'interrelation, va se produire la coopération. Et donc, ah non, excusez-moi, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, que la coopération, elle est au cœur en fait du projet humain. Et souvent, je rajoute que finalement, si nous existons, c'est parce que il y a deux personnes qui ont coopéré. Et que entre ces deux personnes, dans cet entre-deux, est né quelque chose de cette coopération. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre un petit temps de lien, peut-être. Et donc, selon un cadre très très simple, qui est le suivant, qui est que il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, et que toute réponse ou non-réponse est valide. Que l'on comprend les mots comme on les entend et que chacune de nos compréhensions sont valides également, qu'on n'a pas de gardien du temps et que chacune et chacun est attentif à rester sur la question que l'on va se poser et que, enfin, tout ce que l'on se dit ben, n'a d'intérêt que pour nous, parce que de toute façon, les autres ne sont pas là. Et donc, on va vous proposer de vous mettre pour 10 minutes en groupe de 3 personnes, donc de manière totalement aléatoire. Et je vais vous proposer 5 questions que vous aurez, qui seront inscrites dans le chat dans un deuxième temps. Alors, ça ne marche pas parce que je n'ai pas ma souris au bon endroit. Voilà, ça y est. Et donc, ces 5 questions, c'est... Finalement, qu'est-ce qui m'incite à être là aujourd'hui? Quelle est mon intention en étant là? À quoi je sais ou je saurais que je suis au bon endroit? Qu'est-ce que ça nourrit chez moi d'être là? Et finalement, fondamentalement, qu'est-ce qui me pousse à être là aujourd'hui? Et je vous invite dans ces groupes à prendre ces 10 minutes ensemble pour vous entendre et vous donner à entendre les uns et les autres de quelle manière vous répondez à ces 5 questions. Prenez chacun le temps d'y répondre dans les 5 dans l'ordre que vous souhaitez. Et on vous laisse 10 minutes ensemble pour pouvoir y répondre. Tout le monde arrive là. Ah. Tout le monde revient. Il y a encore des salles en cours. Alors, du coup, moi, ma salle, elle a été coupée et on n'avait pas tout à fait terminé de parler. Donc, j'ai même pas pu saluer les Céline et Michel avec qui j'étais. Voilà, c'était étrange ce départ. Oui, vous n'aviez pas eu un petit message qui vous disait vous avez plus que 60 secondes? Si, mais moi, ça a coupé Pensais beaucoup qu'on plus allait le tôt. faire volontairement.
Ah oui, ça, on ne Ah, sait pas. oui. C'est frustrant, hein. On ne sait pas encore mettre dans ces systèmes numériques l'intelligence émotionnelle qu'il faudrait y mettre. On s'en remettra. Ça nous montre à quel point la qualité de la relation et combien on a besoin de prendre soin de ça. Alors là, bon, il y a des côtés frustrants, mais on peut se le dire. Hein, c'est important de pouvoir se le dire. Ce qu'on vous propose avant de continuer, c'est s'il y a quelques personnes, vous pouvez le faire dans le chat par écrit, mais on va en prendre quelques-uns en live qui pourraient juste faire un retour très rapide sur finalement, voilà, qu'est-ce qui les a marqués dans cet échange? Qu'est-ce qu'ils ont envie de retenir? Qu'est-ce qui les a interpellés? Voilà, juste quelques éléments vivants de ces échanges que vous avez eus par petits groupes, même s'ils étaient quelquefois d'une manière pas très satisfaisante. Et moi, je vous invite, si quelqu'un veut parler, à prendre la parole. Qui est-ce qui souhaiterait? Parce que vous êtes très nombreux, on ne peut pas voir et le système de lever les mains, voilà, nous on préfère tenter d'avoir une proximité avec vous Ouvrez votre micro et et prenez la parler. parole. Moi, je tente de prendre la parole plus pour libérer la chose que pour avoir vraiment quelque chose à dire. Donc, j'ai parlé avec Christelle, qui est architecte, et on a identifié qu'on avait des attentes assez différentes et des contextes assez différents. Moi, étant sur une volonté, une posture de prophète, de vouloir être capable de parler de coopération avec des partenaires professionnels, elle, pour être capable dans un groupe spécifique qui vient de se réunir, d'appliquer cette coopération. Voilà. Merci. Qui est-ce qui souhaite voilà, nous faire partager qu'est-ce qu'il retient, qu'est-ce qu'il a marqué, comment il a vécu ce moment-là? Bah, Ludovic, ah pardon. Vas-y. Ah, juste disais qu'effectivement, pour dire comme ce qu'a dit Paul, c'est qu'on n'était pas venu pour les mêmes choses et c'est très bien. Moi qui étais plus dans une posture un peu professionnelle, un peu voilà, d'organisation professionnelle. Et puis Nathalie qui disait qu'elle venait là pour prendre du temps pour elle. Alors ça, c'est génial, quoi, de pouvoir. Voilà, d'avoir ces rencontres-là parce que ça va vraiment permettre, ça peut permettre de vraiment avancer complètement différemment les uns des autres, quoi, et arriver à se retrouver. Bon, c'est chouette de mélanger l'envie de prendre le temps et l'envie de faire et d'être efficace. C'est super, ça va nous ralentir ceux qui veulent absolument Ok, être. très bien, merci. Une autre personne encore? Je crois qu'il y avait quelqu'un Oui, qui c'est attend. Nathalie. Oui, Je Nathalie. rectifie juste que ce n'était pas juste une envie de prendre le temps, mais de besoin de prendre le temps. Enfin, voilà, ça répond à ce besoin-là. Bon, même si j'en ai envie, mais parfois je ne réponds pas, mais enfin, j'écoute pas mes envies et je ne réponds pas à mes besoins. Donc voilà, juste la petite nuance. Très bien, merci Nathalie. Dans le chat, il y a plusieurs d'entre vous qui soulignent à la fois des aspirations communes et en même temps des profils différents, des attentes différentes. C'est l'un des enjeux que l'on, de, c'est l'un des intérêts de cet échange-là, hein, c'est de mettre le doigt là-dessus. Oui. Et quelqu'un qui dit, qui montre que ce n'est pas l'affaire de personnes qui ont les mêmes attentes. Hein, et donc, vous touchez déjà du doigt des éléments qu'on va retrouver un peu plus tard. Il y a Jacques Gauthier qui veut dire quelque chose. On a quand même mis le doigt sur le fait qu'un des éléments sous-jacents à tout ce qui faisait qu'on était là, c'était quelque part une notion de bonheur, de bien-être, à la D'accord. fois collectivement et individuellement. C'est cette notion-là qui fait sans doute qu'on est sur le fond tous un peu là, avec un projet, quelque part, une envie que les choses évoluent et que le monde soit meilleur pour tout le monde. D'accord. Donc des choses communes et des raisons d'être là qui peuvent être différentes pour chacun d'entre vous. Aussi. Et ça fait le lien avec la troisième Oui. raison. Enfin, moi, je trouve intéressant, Jacques, ce que tu dis là, c'est que tout à l'heure, on a dit, ben, on coopère parce que ça nous rend plus forts. C'est très utilitariste comme façon de voir les choses.
Après, on a dit on coopère parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut vraiment avoir une approche un peu globale, on est obligé. Ça reste très utilitariste. Et la troisième raison sur laquelle tu insistais, Anne, c'est ce côté, ce besoin de l'être humain d'être un être de relation et donc de construire avec les autres êtres humains. C'est peut-être ce sur quoi, visiblement, Jacques, vous avez échangé. Et cette dimension-là, elle est fondamentale dans la coopération. Et on va la garder tout au long de ce mois de mai ensemble. Voilà, on reviendra de toute façon sur ce temps dans les fois prochaines. Alors, moi, j'ai une initiale, le M de M Jourdan. Je ne sais pas si c'est Marie, oui, Monique. C'est ou... Marie-Anne. Voilà. Je vois en même temps dans le chat que tu as mis que ça amène aussi la notion de projet. Tu peux en dire plus peut-être? Tout à fait. En fait, c'est un ensemblier de projets, à mon sens, une coopération, en fait, de projets. C'est l'accumulation de projets individuels qui fait que, qui donne naissance à un projet collectif, en fait. Oui, super. Et on va revenir là-dessus, d'ailleurs, avant de conclure aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres parmi vous qui a envie de d'autres oui, personnes qui ont envie de une frustration qui traîne, de dire quelques mots sur peut-être leur surprise ou pas leur surprise d'avoir eu cet échange là? Moi, je voulais juste témoigner sur le fait que j'apprécie énormément qu'en fait, au bout de quelques secondes, on arrive à échanger sur des sujets qui nous touchent aussi profondément avec des inconnus. Parce qu'il y a un cadre de bienveillance et d'écoute, et même si je l'ai déjà vécu plein de fois, je trouve ça magique à chaque fois. Donc, merci d'avoir permis ce moment-là. Oui. Merci, Nathalie. Merci à toi. Et ça montre bien qu'il ne faut pas forcément tout un tas de choses et qu'on peut se parler sans même... pour juste prendre le temps de se connaître et de se reconnaître. Du coup. Et je trouve merci. Ça vraiment intéressant de vivre des expériences qui montrent que ce niveau d'échange et de profondeur en tant qu'être humain, dans ce qui nous porte et ce qui nous fait vivre... Il est précieux et en même temps, il est hyper facile à mettre en place finalement, puisque comme tu le dis, oui. On ne se connaît pas, on est 84 là en ligne, pour beaucoup, on ne s'est jamais vu, on a des conditions de vision des uns et des autres qui sont quand même pas optimum, on se bagarre avec trois écrans et de la technologie qui ne fait pas exactement ce qu'on aimerait qu'elle fasse, et pour autant, on accède assez vite à finalement notre humanité. Merci. Alors du coup, on continue peut-être avec quelque chose qui est important, parce que finalement, quand on parle de coopération, de quoi parle-t-on? Et là, pour y répondre, il faut que je revienne à oui. Un autre écran. Un autre écran. Donc, je vais essayer de faire ça ouais. correctement. Et j'ai réussi, donc je suis très fier. Ça marche. Oui, parce que de quoi parle-t-on? Parce qu'on emploie souvent, vous savez, les mots les uns pour les autres, un peu, je ne veux pas dire à tort et à travers, mais sans penser vraiment aux messages qui sont derrière chacun de ces mots. On emploie le mot collaboration comme on emploie le mot coopération. Pourtant, c'est deux mots qui sont vraiment différents. Collaborer, c'est travailler avec. Travailler avec. Et on citait Patrick Vivret, qui est un de nos amis et parrains. Vivret, vous savez, travaille beaucoup la question des mots. Et Vivret nous rappelle souvent qu'être employé, c'est être plié à, étymologiquement. Donc, vous voyez que c'est quand même la collaboration, mais collaborateur, etc. Ce n'est pas tout à fait ce dont on parle quand on parle de coopération. Mais on va aussi parler parfois... tiens, les élections régionales arrivent et bien souvent, vous allez être pris dans des réunions de concertation où vous allez avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme parce que vous vous dites « chouette, on va agir de concert ». C'est ça que ça veut dire, concerter. Et en fait, vous êtes face à quelqu'un qui veut juste éventuellement vous consulter, c'est-à-dire peut-être vous demander votre avis. Et donc, vous voyez bien que quand on n'a pas la même définition des mots ou quand chacun a une représentation des mots, on rentre dans des conflits de représentation. Il y a un autre mot qu'on emploie de plus en plus aujourd'hui et qu'on voit fleurir un peu partout, qui est le mot d'alliance. On va faire alliance. Mais il ne faut pas oublier que, bien souvent, quand on fait alliance, c'est pour préserver son intérêt. C'est-à-dire, d'ailleurs, si on regarde l'origine du mariage, avant que le mariage d'amour n'existe, faire alliance, c'était trouver un moyen pour préserver les intérêts d'une famille, en s'alliant avec une autre famille.
souvent on fait alliance contre un ennemi commun, par exemple. Les alliances militaires de pays qui s'apportent promesse de soutien, de secours et assistance, ben finalement, c'est de se dire, on va mettre ensemble nos forces pour que si l'un de nous est attaqué, il puisse se préserver grâce à l'aide de l'autre. Donc, l'alliance, c'est quelque chose de très utile. Hein. Il ne s'agit pas de dénigrer la collaboration ou le fait de faire alliance ou de mutualiser des outils. C'est très utile tout cela, mais ça n'est pas ce dont on parle quand on parle de coopération. Et c'est vraiment important de revenir là-dessus. Souvent, quand on parle de coopération, on oublie que dans le mot coopérer, il y a le mot œuvre, opéra, l'œuvre. Et vous voyez bien que ce mot, il n'est pas du tout connoté de la même manière que le travail. Si vous pensez aux compagnons du Tour de France, ils vont mettre tout leur art, ils vont l'exprimer dans leur chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre pour un compagnon, c'est quelque chose qui est l'aboutissement de l'épanouissement finalement de son savoir-faire. Donc, coopérer, on aime bien revenir à l'étymologie des termes qui veut dire c'est finalement être co-auteur d'une œuvre commune. Et derrière cette définition qu'on vous propose, co-auteur d'une œuvre commune, il y a trois idées essentielles qu'on voudrait développer dans ce premier webinaire. La première, c'est qu'il ne s'agit pas d'être seulement acteur, il s'agit d'être co-auteur. C'est-à-dire qu'il va falloir que chacun des auteurs du projet retrouve sur leur projet son empreinte digitale, retrouve sa marque. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'écrire un document à plusieurs, mais ce n'est pas simple d'écrire à plusieurs. Parfois, on fait des fausses coopérations. On va se dire, tu écris le premier chapitre et puis j'écrirai le deuxième. Ce n'est pas coopérer, ça, ce n'est pas écrire ensemble. Écrire ensemble, c'est difficile parce que ça veut dire qu'à un moment, comme il n'y a qu'un seul stylo, il va falloir le passer à l'autre et s'en dessaisir. Donc, dans la coopération, il y a un lâcher-prise, il y a une place qu'on va donner à l'autre qui est fondamentale et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres modèles qui sont des modèles de collaboration, par exemple. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'on n'est pas dans le domaine du travail, on est dans le domaine de l'œuvre. Et là encore, on a une petite vidéo, on mettra le lien sur notre site, de Patrick Vivray qui fait la distinction entre collaborer et coopérer à ce niveau-là. L'œuvre, au contraire de l'emploi, être plié à, l'œuvre, elle va permettre aux individus de se déployer. Et dans un environnement effectivement coopératif, c'est pour ça que tu as le lien avec, je crois que c'était Jacques qui disait ça au début, on est là dans une recherche de bonheur. Ce n'est pas un hasard. Parce que la coopération, quand on la vit et qu'elle nous permet à chacun de se déployer, elle nous rapproche effectivement du bonheur. Et puis la troisième idée clé, elle est très importante et je crois que vous l'avez touchée du doigt par les petites séquences d'échange à trois, c'est que c'est l'œuvre qui est commune, mais ce n'est pas nos buts et nos objectifs individuels. On peut avoir, et on a souvent dans les projets de coopération, des raisons d'être, des raisons d'y participer qui sont très spécifiques, qui sont uniques à chacun et à chacune de nous. Ce ne sont pas les raisons et ce ne sont pas les buts qui doivent être communs. Chacun a les siens. C'est l'œuvre que l'on va construire ensemble qui, elle, peut être commune. Et donc là, vous voyez qu'il y a un glissement qui est vraiment important. Quelle est notre œuvre commune et quels sont les buts et les aspirations de chacun de nous, individus qui contribuent à cette œuvre commune? Bien souvent, on rentre dans des pièges, dans des projets coopératifs, à vouloir tout de suite trouver l'objectif commun. Mais si on commence par chercher l'objectif commun, on va restreindre nos ambitions au lieu de, au contraire, vouloir embrasser le plus largement possible les aspirations et les objectifs de chacun. Donc ça, c'est trois idées qui sont vraiment centrales dans la coopération. On est co-auteur et pas seulement acteur. On n'est pas seulement pour agir, mais on est pour construire une œuvre qui va permettre à chacun de nous déployer, de se déployer. Et c'est cette œuvre-là qui est commune et qui doit permettre de satisfaire aux objectifs et aux buts des uns et des autres. Et on a vraiment un défi qui est d'apprendre de passer de la collaboration où on travaille ensemble à la coopération en y donnant toute cette puissance dans la définition. Et c'est la raison pour laquelle on aime bien dire que dans tous les projets de transition, qui sont souvent des projets de transition écologique, mais qui peuvent être aussi des projets de transition sociale, par exemple,
il y a un autre projet, il y a une autre transition qui nous appartient de mener, qui est une transition anthropologique. Parce que passer de la collaboration à la coopération, c'est vraiment faire un saut en termes de manière d'être et manière de vivre ce que l'on a ensemble de commun, qui est notre humanité. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a peut-être vu une centaine de collectifs coopératifs avec lesquels on a mené nos travaux de recherche. Et on a vu que quand ils avaient ce qu'on a nommé la maturité coopérative, c'est-à-dire une capacité à vivre la coopération à ce niveau-là, et bien à ce moment-là, on voyait un changement de paradigme au moins à quatre niveaux. Il y a un changement de paradigme au niveau de l'expertise. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un monde où il y a les experts d'un côté et les sachants et les apprenants de l'autre. Dans un système de coopération, les gens, on devient tous à la fois sachants et apprenants l'un de l'autre. En fait, Éloi Laurent, l'économiste dont je parlais tout à l'heure, il pose la coopération comme le fait de devenir pédagogue les uns pour les autres. Et en ce sens, ça nous permet, bien sûr, de grandir, de nous épanouir. Le deuxième changement de paradigme important dans la coopération prise à ce niveau-là d'exigence, c'est au niveau du leadership. On est encore bien souvent dans… il y a plein de documents méthodologiques qu'on lit encore où on nous dit bah, pour réussir le projet, il faut un leader charismatique. Bah, honnêtement, nous, on pense que pour réussir un projet, il faut un leadership fort. Et que ce leadership, il sera d'autant plus fort s'il est partagé. Partagé et situationnel. C'est-à-dire si à un moment dans le projet, eh bien, c'est Fanny qui prend le leadership, et puis à un autre moment, parce que c'est d'autres compétences, d'autres aspirations, c'est Jocelyne, c'est la petite vignette voisine sur mon écran à moi, et puis peut-être qu'un peu plus tard, ce sera Eric. Et que la capacité de chacun à reconnaître le leadership de l'autre, c'est ça qui va faire la puissance de notre coopération. La troisième caractéristique qu'on a vue sur le terrain, c'est qu'on va pouvoir, quand on prend la coopération à ce niveau-là d'exigence, s'orienter vers des coopérations ouvertes, c'est-à-dire pas vers des systèmes où on coopère entre nous, mais on est en guerre avec le reste du monde, mais dans des systèmes où on coopère tellement entre nous que ça nous ouvre au reste du monde et que petit à petit, cette coopération s'étend à notre environnement. Et je reviens à la théorie des jeux dont on parlait tout à l'heure, les mathématiciens ont prouvé, par un système d'équations, que la coopération était contagieuse, c'est-à-dire qu'elle peut se développer même dans un système qui lui est hostile au départ, comme un système à prédominance compétitive. Peut-être juste, je voulais rajouter que quand on parle de coopération ouverte, ça peut être l'occasion de vous poser déjà quelque chose qui est très important, c'est de comprendre que la coopération, ce n'est pas la sympathie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de la sympathie pour coopérer. C'est deux choses totalement différentes. Et bien souvent, il y a confusion. Et du coup, la coopération fermée peut exister, mais ce n'est plus de la coopération, c'est qu'il y a un entre-soi qui peut se développer. Donc, la caractéristique de la coopération ouverte, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que c'est ce qui va se produire entre des personnes, sympathie ou pas sympathie, c'est ma capacité à accepter l'altérité, c'est-à-dire que l'autre est présent. Voilà. Mais on y reviendra plus tard dans le mois de mai. Et la quatrième caractéristique, c'est que quand on arrive à vivre la coopération à ce niveau-là, et effectivement, il y a un vrai changement de paradigme, alors on arrive à des environnements qui sont épanouissants pour les individus. C'est-à-dire que nous, notre centaine de collectifs qu'on a rencontrés, on a rencontré quelques collectifs à très forte maturité coopérative. C'est des collectifs dans lesquels on voit très clairement que le collectif s'épanouit, mais les individus qui composent ce collectif, donc tous les jeux qui font le nous, s'épanouissent eux-mêmes. À l'inverse, quand on est dans des systèmes où on manque de savoir-faire coopératif, on voit qu'on s'y épuise à vouloir faire que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Et on voit beaucoup d'environnements où les gens essayent et ont encore du mal à coopérer, et du coup, ils vont puiser dans leurs ressources. C'est la raison pour laquelle la maturité coopérative, ça se travaille, ça se développe. Il faut que, comme un artisan qui développe son geste, eh bien, il faut qu'on s'entraîne à développer notre maturité coopérative pour que petit à petit, on atteigne ce niveau d'épanouissement des individus. Et c'est la raison pour laquelle le fait que l'expertise se partage, que le leadership se partage, qu'on ait
dans des coopérations qui deviennent ouvertes et donc qui s'étendent, qu'on n'est plus dans l'épuisement, mais au contraire dans l'épanouissement et le ressourcement, et bien naturellement, ces quatre caractéristiques, elles font que la coopération est un levier de développement, bien plus fort finalement que la compétition, parce que la compétition, elle ne coche pas ces quatre cases-là. Et c'est la raison pour laquelle des environnements extrêmement coopératifs sont des environnements qui sont, un, résistants aux crises, aux difficultés, deux, qui se développent de manière organique, et tous les gens qui sont dans des projets coopératifs qui sont assez anciens le disent, ce qu'on fait aujourd'hui, on n'aurait jamais imaginé le faire il y a plusieurs années, parce que c'est notre capacité à coopérer qui a petit à petit élargi la palette des possibles, et donc ce sont des environnements qui peuvent être pérennes parce qu'ils se renouvellent de cette manière-là, de manière continue et constante. Du coup, avant de se quitter, enfin, pour la fin de cette... Alors, attendez, parce que moi j'ai... Voilà. Voilà, on vous propose juste quatre petites questions. Finalement, est-ce qu'on est réellement en coopération, en co-œuvre? Et puis, si la coopération, c'est un levier de développement et de résilience, alors de quelle manière on va s'investir pour développer notre coopérativité? Parce que je crois qu'on a été beaucoup plus habitués à développer notre compétitivité. Et que si elle est indispensable à la réalisation d'un projet, alors peut-être que le projet est second et que le processus coopératif est premier. Et donc, ça vous laisse déjà entrevoir qu'on va peut-être aborder la prochaine fois le fait que peut-être il y a toujours deux projets dans un projet. Voilà, on verra ça un peu plus tard. Et que finalement, s'il n'y a pas un projet, on peut commencer par apprendre à coopérer parce que c'est un projet en soi. Avant de se quitter, on va... Juste parce que je l'ai vu passer dans le chat. Vas-y, il y a une... Oui, on essaie de faire plusieurs choses en même temps, ce qui est difficile. Trop loin de moi, là. J'ai vu une question parce que je fais référence à cette centaine de collectifs qu'on a pu rencontrer. Il y a une question dans le chat, si quel type de collectif? Notre angle de départ, c'est justement d'aller voir des gens qui se revendiquent de la coopération, quel que soit le domaine. Ils pourraient fabriquer des caramels mous, faire du développement territorial, être une bande de copains qui a décidé d'être en colocation, ou une entreprise d'industrie qui a décidé de se mettre en scope, ou que sais-je, ou un groupe d'élus, un conseil municipal, un conseil de quartier, que sais-je. Communauté de communes aussi. Donc, la centaine de collectifs qu'on a rencontrés, ils ont une chose en commun, c'est de se dire on ne peut faire ce qu'on fait que si on arrive à coopérer. Et leur œuvre, elle est très diverse, c'est des tiers-lieux, c'est toute une palette, comme vous pouvez l'imaginer, très très large. Et donc, avant de se quitter, on va vous proposer, comme on le fera à chaque fois, de prendre ce qu'on appelle, nous, le temps du retour nourrissant. Parce que vous allez voir que si on est pédagogues les uns des autres, alors ça va être tout à fait intéressant de se poser trois questions. Un retour nourrissant, c'est souvent on appelle ça le feedback, c'est juste le retour. Ben non, il y a nourriture dedans. Hein, donc, en quoi est-ce qui peut être nourrissant pour moi et pour les autres? Et donc, vous allez utiliser le menti. Je le mets dans le chat. Il est dans le chat. Voilà. Et donc, dans le chat, vous avez le lien avec un nouveau code hein, que celui que vous avez utilisé tout à l'heure. Et un retour nourrissant, c'est trois points. C'est qu'est-ce que je retiens d'utile pour moi? Et d'utile, c'est-à-dire que là, je sais déjà que je peux en faire quelque chose. Éventuellement, qu'est-ce qui m'a manqué pendant cette heure? Et de quelle manière j'ai vécu ce moment? On vous propose de le mettre dans le menti. Et si également, il y a deux ou trois personnes qui veulent le faire de vive voix, c'est bienvenu. Hein, c'est un retour à chaud, bien sûr. Mais pour que vous fixiez déjà ce que vous retenez d'utile pour vous, éventuellement ce qui vous a manqué et de quelle manière vous avez vécu cette heure avec nous tous. Le fait de faire un feedback, c'est aussi d'exercer ce fait d'être pédagogue les uns pour les autres. Parce que quand j'entends quelqu'un formuler ce qu'il retient, ça m'aide moi-même à réfléchir à ce que je retiens et à comment je m'approprie ça. Donc ce serait, quand on est 80, l'interactivité est compliquée, donc il y a plusieurs manières de la vivre à trois, par petits groupes, ou bien en écrivant, voilà, merci beaucoup. Ce que vous retenez d'utile dans ce moment qu'on a passé,
Si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous peut démarrer de le dire verbalement tous aux autres, eh ben, n'hésitez pas, ouvrez votre micro et allez-y. Je vois Jean-Claude peut-être qui lève une main. Le doigt. Je ne sais pas si c'est pour nous parler à nous, mais allez-y. Votre micro. Avec votre micro. Jean-Claude n'a pas de micro. Il y a Jacques qui a levé la main aussi, je crois. Peut-être que c'est d'avant. Oui. Exact, excusez-moi, c'était d'avant. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Sinon, il faut ouvrir votre micro si vous voulez prendre la parole. J'ai manqué de temps. Ben oui, parce qu'on essaie de... Ouais. L'importance de l'humain, des liens, la définition de coopérer. Mais vous allez voir que c'est itératif, c'est-à-dire que plus on va avancer dans le mois et plus les choses vont s'agréger. Deux fois que j'entends parler du livre d'Éloi Laurent, alors je vais le lire, ben ouais, oui. Il est chouette. Le fait qu'il y ait deux projets dans le projet, alors ça, on va en reparler la semaine prochaine. Oui, c'est ça. C'est un projet en soi. Peut-on décider de coopérer avant de savoir pourquoi faire? Ça, c'est une sacrée question. Mmh. Ben, moi, je suis arrivé à la réponse que oui. C'est un projet en lui-même. Et que la coopération sera d'autant plus forte que le quoi faire va se décider ensemble. Ce qui m'a manqué, c'est le comment faire concrètement. Et c'est pour ça qu'on se donne un mois. C'est oui. Parce qu'on essaye, le prochain coup, on va rentrer dans des prérequis. Et puis la troisième fois, on va rentrer dans des quoi et des comment. Et comment on fait. La troisième et quatrième fois, d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un veut faire son retour de manière verbale, verbalement, comme ça? Ce serait sympa aussi d'entendre vos voix. C'est peut-être intimidant, hein, mais... Il est 17h11 et on a 4 minutes pour respecter pile notre créneau. Donc... Et on aime beaucoup ce moment-là et vous allez voir qu'on ne le néglige jamais. Parce que ça fait partie des moments importants de la coopération, c'est-à-dire de fermer et de clore quelque chose. Sonia, je crois. Sonia. Oui. Je m'excuse par la qualité de l'image. Je suis à l'extérieur, je vois que la lumière est un peu bizarre, mais je voulais vous montrer là mon feuille de notes, le retour nourrissant. J'apprécie les plusieurs fois où j'ai eu l'occasion de vous croiser parce que j'ai l'impression que grâce à vous, j'arrive à mettre des mots, à formaliser en forme de mots des choses que je ressens déjà dans les projets où je suis investie, mais pas seulement dans l'envie d'aller au-delà. Et souvent, je me ressens un peu maladroite à trouver les mots. Et du coup, les quelques petites phrases que j'ai pu retenir, même la dernière de Patrick, la coopération sera d'autant plus forte que le quoi faire sera décidé ensemble. Par exemple, j'ai passé 10 minutes à essayer de trouver la formulation ce matin. Merci déjà pour ça. Et à bientôt, j'espère. Et c'est là, quand on dit co-auteur d'une œuvre commune, c'est là. Je vois aussi dans le chat, je m'interroge sur la coopération sans objectif commun. Bien sûr, il y a des objectifs communs, des aspirations profondes, etc. Mais quelle œuvre va incarner cela, et ben on va le construire ensemble. Tout à fait. Et en fait, vous pourriez voir que ce processus coopératif, il démarre à partir du moment où on peut partager nos représentations et nos subjectivités. C'est un peu ce que vous avez fait tout à l'heure. Et l'œuvre commune va se construire sur la compréhension de la singularité de chacun. Beaucoup de richesses vraiment très inspirantes dans... le mur là qui défile devant nous et devant vous aussi, je crois et j'espère. Il y a énormément de choses, il y a énormément de matière et lire ce que chacun en retire de l'heure qu'on vient de passer ensemble nous permet à chacun d'entre nous de retravailler, de se re-questionner. Donc, ces éléments-là, on va les mettre sur le site internet, on va les partager. Donc, vous recevrez sûrement dans les jours qui viennent, avant la deuxième séquence, un mail vous disant à quel endroit vous pouvez trouver ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... Emmanuel, peut-être, soit une main levée. Oui, bonsoir. Ça vient en résonance complète avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que j'accompagne beaucoup de choses autour de la coopération. Je
je viens de découvrir que je manquais encore plus de vocabulaire et de plein de choses que ce que je croyais. Et là, je viens de nourrir ma besace parce que je me retrouve avec beaucoup plus d'aisance pour pouvoir expliquer ce que c'est que la coopération. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous allez voir qu'au fil du mois, ça va être beaucoup de mots posés sur des choses parce qu'on parle de quelque chose qu'on connaît tous puisqu'on est sur la matière humaine et c'est notre bien commun à tous. Oui. Voilà. Moi, on n'est pas habitué à mettre des mots dessus. J'ai vraiment l'impression qu'on a coopéré en réalité parce qu'on a échangé d'une manière très, très personnelle avec des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, ça veut dire qu'on avait déjà l'a priori que la thématique de coopération nous mettait en confiance. Oh, c'est ça. Merci Jacques. Mia, en fait, c'est vrai, je suis à fond dans mes projets et ça me permet de voir les choses complètement autrement, de prendre du recul et de me dire, tiens, il serait bon de repenser au processus plutôt que de rester comme ça, tête baissée dans le projet. Voilà. Oui, c'est extraordinaire. Oui. Merci. Oui. Et c'est sur le processus que tout se passe, parce que c'est sur le chemin que tout se passe. Merci Pierre. Alors il y a Mia et puis Floriane qui ont levé la main, donc allez-y. Et notre temps sera fini. Je crois. Mia, Floriane. Non. Moi, je suis Mia et je veux bien partager aussi. Excusez-moi, j'ai pas mon écran parce que j'ai très peu de bandes passantes. Mais vous dire que pour moi, ça a été un bonheur d'entendre ces concepts, ces différents concepts, et aussi de me retrouver dans un contexte bienveillant. Voilà. Merci, Mia. Merci, Mia. Merci. Et Floriane, peut-être aussi, qui avait levé la main pour un mot de conclusion. Le dernier mot. Voilà, je suis Floriane et du coup, je me rends compte après 7h15 passées ensemble que, en effet, moi, le mot coopération, c'était un grand concept et un mot assez à la mode qu'on utilise à tout va et j'avais jamais vraiment creusé finement sur ce que c'était, ce que ça voulait dire et du coup, j'ai l'impression que ce cycle de 4 webinaires va enrichir aussi tout ça et j'espère aussi trouver des outils concrets avec votre aide et les apports de tous et de toutes pour la mettre en place très très finement et cette coopération. Voilà, donc merci à vous, j'ai dit. Merci Floriane. Merci Floriane. Alors, dans le chat, j'ai vu la question « Comment on fait pour s'inscrire aux autres webinaires ?» Ben, on ne fait rien, vous y êtes. Vous utilisez le même lien et ce sera très simple comme ça. Et puis, comme dit, le nom vient de s'échapper, mais ben, il n'y a que le chemin qui compte, j'ai vu ça. Donc, c'est peut-être sur le poème… Le chemin est plus important que le but. Voilà, oui. Qu'on va pouvoir se quitter aujourd'hui en vous remerciant beaucoup pour un format qui, moi je me rends compte qu'on était un peu intimidés les premiers instants, donc voilà, un petit peu à parler vite sous pression, donc pardonnez-nous pour ça, et puis on vous retrouve lundi prochain avec un grand bonheur. Et puis on a démarré un bout de chemin avec vous et on va continuer. Et d'ici là, une bonne semaine. Et passez une très belle semaine. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. C'était très riche. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était très beau. Mais c'est sûr.